Hä? Ja, ja. Okay. Sind zu teuer. Ja. Ah, bonjour. Ich war noch gar nicht ein Buch graben, warum? Weil es hat weiter Weg. Wir waren am Freitag. Que les chaussures. Et là, on a un exposant qui propose, messieurs, dames, chaussures en bois. Oui, vous avez bien entendu, des chaussures en bois qui sont proposées en plusieurs tailles. On a par exemple, Stura, c'est das gut? Ah, für Fleda, das ist mehr als décoration. Arceau, ok, oui, bien sûr. C'est des articles en métal, par exemple, qui vont orner une ceinture, vous voyez. C'est vraiment très sympathique à découvrir. Je me disais aussi, qu'est-ce que ça peut être? Alors, l'exposant propose aussi des cordes, des bracelets. C'est vraiment... de superbes ceintures également du Moyen-Âge qu'on peut utiliser aujourd'hui. Je trouve ces produits, ah ben voilà les ceintures, regardez, pour 20 euros, vous avez une superbe ceinture. On a ici un artiste qui vous propose de découvrir l'explication de votre prénom. Hier ein Kunde, hier das Geheimnis, eure eigene Vorname. Alors, wie viele Vorname haben Sie hier repertoriert? 4500 prénoms sont recensés, 4500 prénoms qui proviennent de la planète entière, dirais-je. 4500 Vorname. Aus der ganzen Welt. Das ist ja unglaublich. La femme. Ah, les hommes jusqu'ici. Alors, je vais voir si là Sébastien. Tiens. Alors, on va voir ce qu'il va dire. C'est... Ah, Sébastien. Ben voilà, super. Il l'a aussi. Voilà. Super. Ah bon, c'est écrit en allemand, mais c'est pas grave. Super. Ein griechischer Vorname. C'est un prénom grec. Oh. Voilà, la fête c'est le 20 janvier, ça je le savais. Voilà, venez découvrir ça, messieurs, dames, c'est unique là, notre exposant qui propose donc son dictionnaire des prénoms, je vais dire. Non.